Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le condensé de l'actualité de ce lundi 18 décembre 2023. Le Bénin enregistre un niveau élevé de satisfaction des performances gouvernementales dans la lutte contre la corruption. C'est ce que révèle un rapport d'Afrobaromètre après une étude récente. Le rapport indique cependant une hausse de la corruption sur le continent africain. D'après les investigations menées, 67% des Africains estiment que le gouvernement n'est pas efficace dans la lutte contre la corruption. Le document pointe du doigt les policiers perçus comme les agents publics les plus impliqués dans la corruption. Toujours au Bénin, les camions gros porteurs et autres véhicules encombrants sont interdits de circulation les 24 et 25 décembre prochains sur les grands axes routiers Porto-Novo, Semekpoudi, dans les deux sens. Cette décision a été prise par le préfet de Luembe, Marie Akbotrosou, dans le cadre du pèlerinage annuel des églises du christianisme céleste qui se tient dans quelques jours à Semekpoudi. L'objectif visé à travers cette décision est de préserver la sécurité des personnes et des biens lors du dit pèlerinage. Hors du Bénin, à présent, en Égypte, le président sortant Abdel Fattah al-Sissi a remporté l'élection présidentielle du 10 au 12 décembre dernier. Il a été réélu avec 89,6% des voix, selon la proclamation faite ce lundi par l'autorité électorale égyptienne. D'après l'institution en charge des élections, la participation à cette présidentielle avait atteint un taux record de 66,8% des 67 millions d'électeurs égyptiens. Et pour finir, mesdames, messieurs, le Kenya et l'Union européenne renforcent le partenariat commercial. C'est à travers la signature d'une convention commerciale ce lundi 18 décembre 2023, conclue en juin dernier. Cet accord de libre-échange va permettre aux produits kenyans un accès libre de droit et sans quota au marché européen ainsi que des réductions tarifaires pour les produits européens à destination du pays d'Afrique de l'Est. Ainsi s'achève le condensé de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Portez-vous bien.